Bon, aujourd'hui, je vais faire une meringue. Là, j'ai 5 blancs d'œufs. 150 g de sucre normal. 150 g de sucre glace. J'ai préparé deux plaques, beurrées et farinées. J'ai préparé une poche avec une douille pour faire les... Voilà. Donc là, je vais faire la meringue. Donc je vais incorporer mon sucre normal d'abord, le sucre semoule. Je mets en route les blancs en grande vitesse. Et je vais incorporer mon sucre dans les blancs tout doucement, pas tout d'un seul coup. Le sucre de la sonnette. Je vais laisser monter. Il me reste un petit peu de colorant pour l'alimentation. Je vais peut-être les colorer. Ça, c'est pas obligatoire. Je vais mettre un petit peu de rouge. Je vais faire la fin. Donc là, on voit que la meringue tient au fouet, donc là, ça devrait aller. Mais là, on voit vraiment que ça... Là, c'est de la meringue, voilà. Il faut la battre jusqu'à temps qu'elle soit bien consistante. Donc là, je suis dans la meringue consistante. On va la mettre dans la poche. Donc j'ai préchauffé mon four à 120 degrés. Donc là j'ai une belle meringue. Bien, oui, bien consistante.
Donc ma douille est un peu petite, mais bon, j'ai pas d'autre douille à faire avec. Donc là, je vais faire mes meringues. Vous pouvez les faire en chapeau comme ça ou allongé, c'est à votre goût, hein. Des bâtonnets. Et voilà, on va faire des petites bouses. Voilà, donc là j'en ai une première plaque qui cuit, les autres ben, je vais les mettre en attente. Bon, ben, voilà ce que ça donne une fois cuit. Là je vais les laisser refroidir un peu. Ouais, ils sont bien durs, voilà. Donc là ils ont cuit pendant 1h10 à 120 degrés. Donc une bonne heure et quart après, four à 120. Donc j'ai déjà tout ça de cuit. Il y en a combien là? Oh, mais attends, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, plus tout ce qu'il y a là. Alors, on a un tour avec 5, 5 blancs. On va donner un petit peu des nettes et un 5/16. 16, ça fait 8 chacun. C'est ça? Non, c'est rien. Ah. Tu dis qu'il y en a 16, ça fait 8 chacun. Les prochaines fois, ça sera Sébastien et puis Patrick. Et voilà. Encore du riz également, c'est encore du riz.